Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre sortie journal la pour semaine ça. Rapidement mes grands frères. Et ensemble association syndicale qui dans secteur éducatif là Tankou, GIEL, CNEH, REEH, Finatec, LINEH, Connect ak divers lot dans tête collé ak plusieurs associations parents élèves. Ma défaut l'école la louvri pressé dans bon gens condition. Dans ce ça, LINEH a mandé un minimum volonté politique pour ti moun retourner l'école comme ça doit. Association nationale média haïtien ANNH dans une note dit li scandalisé face à la violence à agent PNH de fait contre journaliste dans commissariat Delma 33 dimanche 30 octobre passé et puis mandé pour inspection générale la police la louvri une enquête pour joindre assassin Wilson Nelson Akabouro qui t'a agressé journaliste qui victime en bas coup de bâton et puis qui sorti blessé dans quatre incidents. Initiative en solidarité journaliste SJS Younes dans mémoire chité à mercredi 2 novembre dans mémoire ancien animateur émission politique Grand La Poutre Sagari tout de suite après journaliste défilé pour aller radio Le Bon côté défiant tap travail. 1er à 4 novembre dans pays d'Haïti c'est jour qui réservé pour fête la Toussaint à Kagédé citoyens qui étaient rendu dans cimetière au Cap là Port-au-Prince au Kay avec divers autres villes dans pays là. Pas de cacher contentement yo gagné pour des grands choux ça yo pendant yo faire connait yo té profiter mandé baron pour aller visiter PM Ariel Henry et puis faire le payer tout mal la fête pays à connait. C'est ensemble point ça yo avec un pilote amis téléspectateurs qui pral développer qui té branché pas dépassé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mes développements journal là. Raté gaz la ra possible en Haïti après plusieurs mois, gouvernement a été quelque peu pauvre sur la situation. Nous pas constaté aucun effort fait pour résoudre le problème. La crise gaz la alimenté gros problème entre passagers et chauffeurs parce que chaque chauffeur fixait prix crucial en raison de prix ou acheter gaz la dans le marché noir. Dans ce sens, le syndicaliste a eu changé dénoncé l'irresponsabilité de l'État pendant demander aux chauffeurs pour camper beaucoup de peuple dans la revendication. L'État n'a pas parlé matin, jeudi 3 novembre, dans le micro Genève Joassin et puis Price Blanfort dans Island TV. Bonjour, bonsoir à tous les gens qui regardent nous. Comme vous dites, actuellement, l'affaire sociale qui est pour accourir sur vous. 4 à 5 ans de débat fixé couche machine dans le pays. Et la loi fait obligation pour couche machine fixée, c'est par rapport à prix gaz. Prix gaz, au fond, on dit toi avec lui. Et prix gaz, c'est 22 000 fois avec prix de vente, avec prix couche la TVA. Mais pour fond, on dit toi avec lui, pour jouer prix couche la TVA, le gaz est monté. Mais moi, je parle avec vous là, personne ne va pas compter prix gaz. C'est gaz, c'est dans le marché parallèle la bonne, c'est le marché noir la bonne à terre. Chaque monde a bonne gaz au prix au blé. Et qu'on est là, ça veut dire que l'État vient en pile difficulté pour fixer couche machine dans le pays. Et nous-mêmes, en tant qu'on responsable de transport, il faut nous conscientiser qu'il y a un pile à la chic à faire parce que chaque chauffeur motocycle n'a pas de prix levé, chauffeur machine n'a pas de prix levé, et pourtant chaque cycle est fait pour un prix exact. Mais puisque l'État va tenir compte pour l'arranger pour la population de gaz pour faciliter la population, juste moment, on n'a pas avec vous là, parce qu'aucun pompe qui n'a pas de gaz disponible, mais c'est ça qui fait un pile dérapage en ce qui concerne le prix couche machine dans le pays. Non, mais ça, même les gros problèmes, même parce que l'icône arrive dans le degré passager dans le coup, mais à chauffeur. Comme nous, c'est un gros problème lié pour nous-mêmes en tant que transporteurs. Et nous-mêmes, nous sommes capables de tout. Et nous toujours dit chauffeur au lieu pour la chasse et augmenter le coût de la chasse de la population. C'est arranger pour qu'on seule voie à la population pour aller ensemble, pour nous venir dans ça. Et dans le popio, et puis pour que la chasse de la fixe normalement pour éviter le dérapage. Parce que ça vient de mettre. Comme dit, nous, par rapport à l'église, l'État pas loin. Nous souffrons des appels à l'anarchie qui a fait le pays, parce que chaque fois la personne veut, chaque fois qu'on a son autorité. Et l'État, qu'on carence d'hommes, côté de l'État, qu'on soit habité. Et c'est ça la paix, moi, on a parlé avec vous là. Bon, nous-mêmes, nous, déjà, nous gagnons des hommes irresponsables qui ont capturé ce pays, c'est ça la paix. Et nous, pour qu'ils nous fassent fixer, nous faisons manifestation, nous faisons grève. Côté pour l'État, qui attendent des cris, nous. Mais au lieu de
temps de crimer, ils font la sous d'oreille et puis nous continuons à rentrer dans tout prison. Et ce moment-là, pas là, 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 c'est un problème de garder les passagers avec le chauffeur. Pas bien, tout ça, ici, nous comptons aller pour nous vivre ensemble. Chauffeur a besoin de passagers, parce qu'il y a besoin de chauffeur. C'est arrangé, puis arrangé, puis on se tel cri, on se tel solidarité, puis on est en moins. L'État néglige ça, c'est pas comme on va commencer eux-mêmes, c'est le cas de la population. Centrale pétrolière a toujours été bloquée dans le pays après plusieurs mois, ça qui la cause compagnie n'a pas approvisionné pour alimenter pompiers. C'est le source à nous qui a fait confiance, il n'y a pas de gaz encore qui est disponible dans le terminal. Le propriétaire pompier était dans gros doute par rapport à prix qui a supposé vendre gaz là, plus qu'il y a une grosse contestation sous lui. Le gouvernement n'a pas jamais aucune explication sur la situation. Le gaz a toujours à vendre 2500 gouttes dans son marché noir. L'autre information, amis téléspectateurs, l'école toujours pour qu'elle ouvre après décision gouvernementale prise pour lui reporter le 3 octobre 2022. Jusqu'à présent, rien pour que j'en dis pendant parents et élèves, professeurs Apton pour l'école ouvre, mais si situation pour que j'en change, tant qu'on rate gaz, la insécurité avec la vie chère, qui c'est le principal problème qui pour résoudre pour porter l'école réouvrir dans le pays d'Haïti. Gadi Bartelmi et Kevin Loriston a penché sur le dossier. Deux mois après, l'école La Poko Jam carré l'ouvri dans le pays d'Haïti à cause de problèmes politiques, gaz, insécurité, kidnapping, chômage, pour ne citer ça seulement. C'est vrai, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Lanespi Maniga, est venu avec un slogan qui c'est l'école pas qu'attendre. Et bien, d'après constat nous fait, l'école l'a semblé retenir pour un bon bout de temps. Plusieurs organisations, secteur éducatif, mandé pour l'école la relouvrir. Parce que ti moun yo pa ka rete chita la kayo encore. Yo souligné pour yo di, même nan pays qui nan la guerre, pot l'école pa rete fermé. Et puis problème politique, pa doué handicapé système éducatif la. Gen an pile l'autre citoyen qui pa partage même avis avec travail éducatif yo. Comme quoi pour l'école la relouvrir en tâtonnement. Relouvrir l'école là c'est un, mettez moyen ak stratégie pour ti moun yo retourner dans salle classe CD. Mais n'a pas rappelé qui raison qui te fait l'école là reporter pour 3 octobre qui saute passé là. Problème situation économique là qui difficile, yon inflation qui avoisine 30% qui la cause tout produit premier nécessité au monter tête nèg sous marché a, mettez sous gaz là qui te vinnra et pour joindre li dans marché informel là c'est casquette chinois qui vinn mettez ni parents ni acteurs yo dans système éducatif là ou bien toute population dans une situation difficile mettez sous question insécurité a qui vinn prendre en proportion. Même si gouvernement en place là t'a annoncé un ensemble mezi yo pral prendre pour faciliter l'école la réouvrir 3 octobre là, malheureusement pour gouvernement décision li yo pas jamais respecté. Nous capable dit tout, aucun citoyen pas doit prendre rien yo dit au sérieux. Ça qui pral fait pays a pral connait une situation qui difficile et puis qui pral soulever colère population avec annonce PM nan te fait sous ajustement prix gaz dans pompe yo. Divers citoyens et militants te prend la riporte au prince et puis dressé barricade yo, mais jusqu'à présent qui pa jam bay aucun résultat. Ça qui pousse en pile moun nan population a constaté l'état pa gen contrôle an yen kap passe en dan pays a et puis li pa indigné tout sous situation atroce pays a parce que presque 3 mois l'école poko jam ka louvri et puis l'état croisé bras yo pa jam di an yen. En pile moun nan société a réagi pour yo di ça que fait l'état mette sou acteur politique yo qui pa montré yo souci de l'école là qui pa ka louvri c'est parce que petit yo a petitié nan pays qui les amis Haïti yo qui c'est États-Unis, Canada, la France, République Dominicaine. Yo gen droit ak lekti ak ekriti pendant pa malere ak malerez yo pa gen même droit ça. Celle ça qui réservé pour yo, c'est ba yo kembe zam et puis après pour utiliser même zam ça contre yo. N'ap souligné pour nous dit tout, gen en pile l'école qui soit disant pa vle pour élèves yo rater année l'école là ou bien pa perdre l'argent parent te gen tan bay pour rentrer classe là. Yo utilisé yon quelconque stratégie qui se kou en li pour élèves yo suivre. Question en pile mon a posé, est-ce que c'est tout élève kap ka suivre kou sa yo? Lèn konnen ki mizè n'ap passé ak compagnie téléphonie mobile en Haïti yo ki pa bay bon service. Sans blier problème courant lui-même ki yon problème a pa. Est-ce que parce que nous sommes peuple qui réside nous avec toute bagaille, ap d'accord l'école réduit dans niveau sa vrai. Sans nous pas négliger formation professeur yo par rapport à technologie, l'en considérer en dans système là, gagne une série professeur qui pas jamais suivre des formations de recyclage. Bref, c'est des questions qui sans réponse. Population a posé tête li pendant l'état tout ministre éducation poko jam di ki sa ni comment l'école la pral relouvri. Pendant nous gen tan 3e jour nan mois novembre.
N'a rappelé pour nous dit, gen des côtés en dans pays a tant que dans 3e circonscription, spécialement dans Matissan, Croix des Bouquets, La Saline, Cité Soleil, Badelma et La Trier. Gen en pile ti moun porte l'école te gen fermé pour yo depuis même avant problème gaz te mette pillé. Mais insécurité a te gen fermé plusieurs porte l'école, gen en pile l'école nationale, lycée qui te rete sans présence ni élève ni professeur à cause d'un phénomène gang qui te occupé différents quartiers populaires. Pendant l'état pas de jambe, mette aucune stratégie pour résoudre crise ça. Mais jodi a, situation vin aggravée. Population toujours été aptan, dernier mot l'état haïtien. C'est vrai, en pile gros écrivain fait quoi, éducation se base tout bagay. Eh bien, nan pays pa bo ici, éducation limitée, et spécialement pour petite malere ak malerez. Nous rete pour nous suivre qui décision ministère éducation nationale nan tête collé ak gouvernement pour al pran pour permettre l'école la relouvri. Parce que l'école pa ka sorti de l'école pa ka tan, pour tomber dans l'école tipa jusqu'à ce que nous finissions en porte l'école fermée après des mois. Il y a un dossier à suivre. Il y a ensemble association syndicale qui est dans le secteur éducatif là, Tankou, GIEL, CNEH, REEH, FENATEC, LINEH, CONEC, et divers autres, dans tête collée avec plusieurs associations parents élèves. Pousser un cri désespoir et alarme pour plus à passer 150 000 enseignants, tout personnel éducatif. Marchand devant l'école, chauffeur qui fait abonnement élèves avec environ 4 millions d'élèves qui souffrent à cause de la crise politique en Haïti. L'association a demandé que l'école l'ouvre pressé dans de bonnes conditions. Le coordonnateur de l'UNH admet qu'il a demandé un minimum de volonté politique pour que les gens retournent à l'école comme ça doit. Pendant qu'il dénonce les droits de les gens capables de violer dans le pays. Dans une interview qu'il fait, matin jeudi 3 novembre, dans le micro de Jélin Joassin avec Alex Jean. Nous avons pour nous montrer un cri de désespoir, pour nous montrer un groupe de monde. Société a presque exclu, qui presque suicidé tête par rapport à difficulté à rencontrer lorsque un groupe acteur politique, un gouvernement décide de bloquer le pays, il met les gens en souffrance et il continue à augmenter la misère, il continue à augmenter la vie difficile, il a passé chaque jour. Le groupe Mounsa, c'est plus de 150 000 enseignants qui travaillent dans le secteur privé qui est en éducation. Plus de 150 000 personnes qui vendent l'école. L'un prend machin, qui vendent l'école, c'est un acteur important dans le système. Ménager, gardien, moun sa yo en souffrance par rapport à l'acteur politique. L'un nous prend un ensemble de chauffeurs qui travaillent, c'est transport, élèves, ils font abonnement. Donc, moun sa yo fait partie de l'homme, société, acteur politique, ils mettent en souffrance, mettent en chômage pendant plus de 5 mois. Ça veut dire que, si nous-mêmes, qui là pour jouer un rôle vigile en deux pays, en deux secteurs que nous appartenons à lui-même, nous parlons en moins, qu'on est acteur politique qui a continué à plonger le pays dans la crise, qui a continué à plonger les parents dans une situation plus difficile. Il y a des parents côté qui ont plus de 4 millions de personnes qui ont souffert. Donc, il y a des personnes qui ont presque subi des traumatismes. Parce que yo pas qu'on fait tout temps ça chez la caillou et gagne pas tellement difficulté ti moun dans la cali li obligé payer un moun pour rester à ti moun parce que c'est l'école li te kon mete la déposer après-midi la prendre journée jodi a soit le pas ka le travail ou bien le dégager chercher un moun qui pour rester à ti moun pour lui. Donc nous dit ça c'est conséquence et acteur politique, c'est ça que fait nous même corps éducatif là de toute couche confondu n'a demandé. Faut activité scolaire reprendre. Faut acteurs politiques yo font un dépassement du soi pour joindre un compromis dans mi-temps yo qui pour permettre que nous résoudre ensemble des problèmes qui gagne là. Gagne des problèmes qui donnent structurel qui prend plus de temps, mais gagne des problèmes tout yo donne politique, c'est une volonté seulement au gagner ou pour résoudre yo. Par exemple, question réviser prix carburant que gouvernement te monté 17 au tête. Aucun produit dans un pays l'état pas qu'a décidé pour le monter le 128%. C'est ça que nous dit faut que yon révise question prix carburant. Ça son volonté politique li pa mande l'autre bagay que ça. Donc nous mande faut que l'état ensemble de flotte bus li gen ki nan parking bus dignité yo. C'est pour yon mettre yon disponible quel que soit ti moun nan depuis le gen uniforme l'école sous li. Il doit monter bus là pour transporter pour aller à l'école. Tant que ça fait dans pile l'autre pays, charge transport, c'est l'État qui doit prendre puisque l'État a une obligation pour l'État créer l'école, pour mettre l'école pour tout le monde. Comme il n'y a pas qu'à faire, il y a des acteurs dans le secteur privé qui font. Eh bien, au moins, transport, il faut que
commencer à accompagner parents là-dedans. Ensemble, c'est dit ça, nous quoi, je vous dis, si rien n'est pas fait, on prend le pita, on prend des gens qui ont suicidé la tête, on prend des gens qui ont subi des traumatismes, des gens qui ont comme les fous en deux pays, parce que une premier, une doit ou doit violer, il y a des gens qui comprennent ça. Chaque jour, on pose par la question, qui l'aime prendre l'école, qui l'aime retourner l'école. Donc, nous croyons que c'est des bagages importants, c'est des bagages qui doivent créer une préoccupation pour tout le monde dans la société. Donc, nous devons faire preuve de vigilance, faire preuve de compréhension pour nous dire qui est l'école là approuvée. Je vous annonce la grande titre aux amis téléspectateurs, Association nationale médias haïtiens, UANMH, dans une note, les dit est scandalisé face à la violence sans agent PNH été fait contre journaliste dans le commissariat Delma 33. Dimanche 30 octobre, passé. Et puis, rappeler travailler la pression, pas représenter aucune menace pour force l'audio qui te vine pour tes solidarités. Bye, confrère, qui te joue une arrestation, yon ti grâce puis bonnet dans journée. Dans ce sens, NMH a demandé pour inspection générale, la police la loue une enquête pour jouer un assassin ou Melson Vilsin à Kabourou qui a agressé journaliste qui victime en bas coup de bâton et puis qui sorti blessé dans le cadre incident. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour observer deuxième pause. Nous avons été branchés par déplacés. Merci d'avoir toujours été branché sur mes téléspectateurs, mes récentes informations. Diverses organisations basées continuent de dénoncer le régime PHTK qui utilise la police comme criminel pour faciliter une force militaire étrangère dans le pays il n'y a pas trop longtemps. Il se trouve que les refins font connaître trois citoyens dans différents secteurs tombés sous le gouvernement. Ça, côté personne ne peut pas épargner, même journalistes. Dans ce sens, il y a une enquête qui l'ouvre sur la mort. Entrepreneur Eric Jean-Baptiste, journaliste Melson Vilsin, Oberson Alphonse, pour ne citer ça seulement. Et puis, il demande tout pour que le ministère gouvernement prenne responsabilité dans le dossier ça. Plus de détails dans le micro de Gedi Barthelmy à Kakaoui Pierreville. Je dis, il n'y a pas un secret pour personne. Ensemble des crimes qu'a fait dans le dernier moment, nous, c'est des crimes abominables. C'est des crimes côté que vous ciblez. Il y a un ensemble de catégories de personnes, notamment les journalistes, si notamment, et des militants très conséquents. L'un commencé sous militant et Jean-Denis dans Pétionville, il a assassiné, et bien ça n'a pas fait parler en pile. Nous titans encore, dans Okaï, il y a un journaliste très connu, qui c'est Tess Gary, qui a gagné problèmes différents avec non seulement chef de police dans Okaïla, mais chef et commissaire du gouvernement, eh bien, ils ont disparu, ils ont assassiné après plusieurs temps, ils ont joué une colle qui déjà entré en putréfaction. Tess Gary n'a pas fait parler en pile dans l'opinion publique. Non, titan, soit deux jours après, nous avons attaqué un autre journaliste très connu qui est Robertson Alphonse, journaliste de Magic 9. Nous avons posé nos questions. Pour qui ça? Il y a un ensemble de tentatives d'assassinat, en série qu'a fait dans le pays. Deux jours après, c'est Éric Jean-Baptiste qui est tombé. Il est tombé dans une condition troublante. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment Éric Jean-Baptiste est tombé. Pour moi-même, je ne peux pas l'accuser, je ne peux pas le dire, c'est chef de gang. Nous ne pouvons pas avancer sur la question ça, comme professionnel du droit, pour me dire c'est chef de gang. Parce que Jean tombé a plané, il y a un pile doute qui plané. Et nous ne pouvons pas pour enquête la biaiser. C'est ça que fait nous demander, commissaire du gouvernement, il faut qu'il prenne responsabilité. Pour gagner une enquête sérieuse qui menait par rapport avec l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Qui était dans une machine qui blindait dans le niveau 4. Ça veut dire, balle, ce n'est pas quelle porte balle qui est capable de transpercer. Eh bien, malgré ça,
Eric Jean-Baptiste tombé. Mais c'est un signal tout, yo voyez by tout le monde qui estime yo confortable dans la situation nous est là. Malgré niveau l'argent, malgré niveau fortune, de pour accepter ou vivre dans la situation ça ou pas protéger. La déformation, c'est mes téléspectateurs, représentant Cité Soleil, la Paul Joannès alias Babas, prononcé li sous situation population dans la commune Cité Soleil, qui a confronté en pile difficulté tant que les gens qui ont mal nourri, choléra, qui ont tué les citoyens. Dans ce sens, Babas a fait connaître ce n'est pas mal pour les policiers qui ont tiré dans la commune, mais c'est assistance pour l'État porté pour les aider à combattre la maladie choléra qui a déjà causé un pile mort dans la commune. Babas a profité de l'occasion pour le porter solidarité avec base 47 qui perdit 5 membres dans la semaine qui s'est passée. Plus d'état dans le microphone d'une pierre avec Alex Jean. Nous venons devant la presse pour le support, nous solidarité nous avec toute l'équipe base 47 là, qui la police décide de tirer par Green et par Macon. Parce que nous avons pendant un mois, la police décide de tirer 8 personnes dans la base 47. Nous avons demandé à nous poser une question. Qui la police a voulu ça pour nous, c'est la police qui a arrêté le monde à partir de 6 heures du soir. Et là, nous avons dit qui est la police qui a été édifiée sur lui. Nous avons dit que les récents qui passaient, soudainement, pendant toute mobilisation qui a fait là, côté la police, c'était un jeune garçon qui a examiné l'État. Bon, ça a devenu la police tirer et bouler en même temps. Nous avons profité de demander avec l'équipe de droits humains. Ça, au même côté, fin de pays, ça pour la police, c'est comme ça, la police a maltraité jeune garçon, jeune femme de pays. Dans le même moment, nous avons dit samedi, si Dieu veut. Il y a une grosse activité qui a fait dans la base 47 pour montrer la solidarité, nous, support nous, avec toute l'équipe pour montrer le monde. Base n'a pas pour compte, la base à son base qui campe, jam et qui a continué de camper, l'espace ça pour le goût, pour ne pas que le monde n'a pas bon. Nous, même si c'est le soleil, nous avons regardé ce qui a passé dans le soleil, dans le moment où nous parlé là. La police décide de débarquer dans le soleil, à faire briser la population. Pendant, il y a une santé publique, il y a une choléra. Ravage de la communauté sur l'aide. Nous avons dit, j'aime dire pour courir, après l'hôpital a dit, pour y avoir ça, je n'ai pas capable encore, mais santé pays, j'aime dire, pas j'aime que les gens qui disent comment c'est sur l'aide, vivre, qui j'ai au bois d'eau, qui j'ai au manger, mais vous décidez, dans le matin, à tirer coup de zame sur vous, de tuer. Nous avons dit la police, c'est bien côté mal calculé, parce que la population c'était sur l'aide là, la boum a tout ça le gain, parce que le pape d'accord la police, entre vous de tuer comme ça. Parce que nous-mêmes, nous avons goûté dans le pays, nous avons goûté pour nous jouer dans la situation. Et dans le pays, pour nous vivre, même tout le monde, parce que nous avons besoin de l'école, nous avons besoin de santé, nous avons de l'eau potable, nous avons tout ça bon, même tout le monde. Comment vous avez déjà dit que nous avons besoin de l'école pendant que nous avons dans l'école, dans la sécurité, petite de l'école. Pendant tout le monde, après l'amour, ouvert l'école. Oui, si nous avons l'école, oui, il faut appeler les institutions, mais comment l'école l'a ouvert? Pourquoi ça l'école l'a ouvert? Écoutez, il y a passé. Chaque jour, il y a des gens, la police va me dire, vous avez déjà passé avant, il y a des policiers, pour se débarquer sans l'ordre. Et DDO, il y a des barricades pour les séparer. Mais les populations sont kidnappées. Qu'est-ce qu'elles ont d'elles? Ça veut dire que nous étions des bois ballants, mais nous décidons de tuer nous. La police a encore tué nous, qui a mis des fesses sur nous. Nous avons demandé avec la communauté internationale, là, qui est Ariel Henry là. Pourquoi ça a été bel? Est-ce que c'est parce que j'étais d'accord si vous devriez tout aller septembre à pont pour venir? Ça a été bel dans le pays. Nous avons décidé de côté de ma calculée. Ça, on pense qu'on a fait avec la population haïtienne, non? Il va faire la velle. Parce que nous avons goûté et nous continuons à goûter jusqu'à ce que nous ne parions dans notre pays, jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, retenent dans le rôle pour être dirigés, nous diriger à petit lit. Plateforme CRI National et Alliés continue à prononcer sur la situation crise là dans le pays qui la cause en pile monde perdit la vie. Dans coup Eric Jean-Baptiste qui mourit pas bal cause d'hôpital qui pas gain avec la vie chère qui pas gain gouler chaque jour plus. Dans ce sens, coordonnateur a demandé pour population prendre des stèles dans main. En surprise d'état toujours dans microphone d'une pierre avec Alex Jean. On parler dans un CRI National. C'est une organisation qui a travaillé à travers toute la République, CRI National. Nous profitons de l'occasion pour que nous saluions Moun Jacques Mel, Okai, Jérémy, Miagouane, Tigouave, Grand Gouave, Le Nord, Plateau Central, La Thibonite, Nord-Ouest, Nord-Est. Nous félicitons le travail que nous avons fait. Levé campé que nous faisons, qui est près de 2 à 3 mois depuis nous levé campé, nous disons que ça a changé. Nous encourageons nous pour que nous continuions à camper. Parce que Ariel symbolise destruction,
massif pour peuple haïtien. Je dis à Ariel, il continue dans le pouvoir. Ariel continue dans tête pouvoir. N'a pas mouru une après l'autre. Nous pas gain l'hôpital. Et si tu gain l'hôpital, Eric Jean-Baptiste pas mouru. Après Eric fin prend balle là, il fait plus de 3 temps à flâner avec lui, chercher l'hôpital, il pas joindre l'hôpital. Si tu gain l'hôpital, Eric Jean-Baptiste pas mouru. Je dis à nous pas connait qui quantité monde qui mouri parce que yo pas joindre manger pour yo manger. On sac diri avant $1,000. Tout récemment, tu as vendu $150. Un gallon d'huile à vendre $500. Un sac charbon qui te compte vendre $100, je dis c'est $500, $600 à vendre. Est-ce que nous allons continuer dans des conditions pareilles? Est-ce que nous allons retarder un régime qui a détruit un pays comme ça? Ariel vend le pays. Lorsqu'elle est intéressée comme ça pour planter dans le pays, c'est pour continuer à exploiter. Mine nous yo toutes les ressources que nous te gagné. Là on parle de moun k'ap mouri, cité soleil. Nous pas ka citer ki quantité moun la police PHTK tué. Comme nous gagné un nan représentant moun cité soleil qui va parler talé. Jodi a la police Ariel mette ou équipe la police pour marcher tuer moun à travers toute la République. Nous t'a parlé sous régime Duvalier. Est-ce que nous ca comparer Ariel qui dans tête pouvoir même avec époque Duvalier, c'est plus grave. Y a tué nous grand yo pas ba nous manger. Nous pas joindre l'hôpital qui contrairement à régime Duvalier. Coordonnateur général plateforme Victoire Fednel Monchéri continue de dénoncer secrétaire général réseau national qui a défendre droit moun yo Pierre Espérance li ta fait quoi qui ta dans gang. Fednel Monchéri souligne pour lui dire yon nan chef gang numéro 1 RNDDH la ta joine arrestation li nan Oukay. Pendant li dit malgré toute accusation qui pesait sous dos Pierre Espérance, la justice n'a pas jamais entendu. En suivant plus détails dans micro Gerti Barthelmy à Kakerwin Pierreville. Pour continuer à dénoncer M. Pierre Espérance qui montre une association criminelle et l'international qui ne va pas comprendre rien dans une situation pays en termes de droit monde. C'est M. qui est tout au ras, sale non monde, et puis lui-même, c'est lui-même qui est le premier kidnappeur en de pays. Parce que il y a l'argent dans le monde, il y a l'espace dans le monde, il y a cagoule, il y a des âmes, d'après témoignage, les gens qui sont dedans. Et bien, je dis là, parce que il faut tout le monde conscient. Dans quelle situation Pierre Espérance l'a dépeint ça. N'a dit nous tout que conférence ça n'a pas annoncé nous. Il a arrêté un chef gang Pierre Espérance. Il a arrêté monsieur Okay, commissaire gouvernement Okay là dit dans une émission que l'a arrêté monsieur qui était déjà gagné plein de contenu et confirmé lui par employé qui sortit en dans RNDDH qui c'est Sonel mes amis. Donc il y a une prison déjà qui c'est Gaba. Donc mais dans situation Pierre Espérance l'a dépeint ça. Cap fait droit monde, il a vili institution sacrée des droits de l'homme non. Donc il a vili monde qui a dirigé au niveau international qui habitué par l'argent qui te prend pour monde et nous toujours dit jusqu'à présent nous confirmer lui les noms d'une expérience sont kidnappés, sont volés, sont exonérés et etc. Et nous même ouais bah je dis pour qui implication monsieur ça non la mort Jovenel Moïse et lui indexer lui et la faire rapport sur lui tandis que Monsieur Lacrim, non, il fait gros menace. Rien sans ça. Depuis que Pierre Espérance fait rapport sur le monde, elle cherche pour elle quelque part, son bagage, il va joindre deux mouvements. Rien sans ça, nous-mêmes. Jusqu'à présent, tout ça nous dit, chaque jour, il y a confirmé par devant le monde entier que Pierre Espérance, c'est dirigeant gang Katara. Joueur international à football haïtien Melchi Daniel Dumonde qui gagne non si pestal Corvertina cap jouer dans première division championnat féminin français a signé un contrat avec Adidas qui c'est une plus populaire marque dans monde sportif là. Amis téléspectateurs, nous vivons dans moment troisième pause nous était branché par les placés.
Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Célébration guédé yo dans cimetière yo et spécialement dans cimetière Port-au-Prince là, 1er novembre 2022, malgré situation difficile dans pays là. Ça a pas empêché en pile voluisant respecter date ça pour y aller honorer moyo et puis danser avec escouade loi guédé yo. En suivant papier avec enfant d'une pierre et puis Prince Blanfort. Depuis 1er novembre ak 2 novembre rivé, voyouizan yo préparé yo pou yal fêter gédé. Bon côté moun ki katolik yo, 1er novembre ça c'est fête la Toussaint et puis période tout pou yo honorer mémoire proche yo ki mouri. Pèlerin yo konn sa bien. Depuis mois ça rivé, kwan yo nan vodwa kase rendez-vous nan cimetière yo. Yon façon pou yal danser ak loi yo nan escorte gédé ya et puis jeter de l'eau ni men baleine pou mande passage pou si la yo ki déjà devancé yo. Si tout le yo konnen, gédé yo c'est esprit mort yo nan mode vodwa, yo toujours mené pa baron yo ki c'est baron samedi, baron la croix, baron cimetière. Baron criminel à Grande Brigitte qui c'est madame baron samedi. Gede sa yo ki forme yon famille brillant. En pile fois yo grossier, yo sexuel et puis tout, yo remè ri, yo remè jouer. Couleur mauve, noir, blanc, poudre nan figi, bouteille clairin ak bouteille piment. C'est sa yo ki représente célébration fête ça. N'ap souligne tout, gede sa yo pote plusieurs noms. Takou gede Nibo, Fouye, L'Orage, Papa Gede, pou n'site sa yo seulement. Esprit gede sa yo ki danse sou n'importe moun, takou timon ak jen, femme kou garçon et latrier, ap defoule devant yon nan baron yo. Ça dépend de cimetière yo ye a. Cimetière Port-au-Prince la, c'est les mêmes qui plus connaît pour célébration fête ça. Vodoizan yo sorti en foule pour vin jete de l'eau ak en pile rituel devant baron samedi. Gede mazaka pran yo. C'est slogan qui pi populaire nan période ça. Malgré situation difficile, des mois pays a bloqué, ça pas empêché vodouizan yo fait déplacement pour venir célébrer tradition ça dans cimetière Port-au-Prince. Insécurité, la vie chère ak toute difficulté nous connaît, pays d'Haïti a traversé dans moment ça yo. Divers lakou ki gen peristil pa kite saison an passé sans ou pas célébrer. Tankou yon nan peristil ki nan kapital la ki pi populè, c'est Kaimambo la Merci. Gros cérémonie te organisé, jan li toujours fait chaque année. Prèt vodou yo, mambo yo, kwayan yo, vle toujours kenbe tradition sa ki entre nan nam kil ti peyi a. Malgré akiltiration an, ki pa suspann vale terrain, mette sou sa, tout problème sociopolitik Haïti konnen yo. Depi commencement pou rive fin mois novembre lan, vodou yon yo baptisé moi sa, moi gédé, moi moyo. Ouais pas ouais, c'est que t'as fêté quand même. Premier acte de novembre dans le pays d'Haïti, c'est jour qui réservé pour fête la Toussaint à gédé. Plusieurs dizaines de citoyens qui étaient rendus dans le cimetière au Cap là, pas de cacher contentement yo gagné. Pour des grands jours sa yo. Gen sa tout ki di yo te profite mande ak baron pou al visite paye Mariel Henry et puis fel paye tout mal la fe paye a konen. An suivi extrait nan cimetière au Cap la grâce à ka correspondant nou nan nord et Outko Dada pour Island TV. Chacun des petits fait de ma belle, de sa belle, de sa petite, 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 de sa
Pat gen gwo aktivite ki organize nan simitye Okaila nan okazyon fèt mò ak la Toussaint, men sa pat empêche gen kek moun nan ki fè deplasman pou yal nan simitye a pou jete dlo epi fè netwayaj malgré simitye a trouvel nan yon etat deplorab. An suivan koman sa te ye ak korespondan nou nan Sid Richmond Joseph pou YNN TV. Thank you.
L'autre information, mes amis téléspectateurs, sur l'initiative en solidarité journaliste SID SJS, yon mes nan mémoire chanté hier mercredi 2 novembre nan, nan mémoire ancien animateur émission politique Grand La Cour, Tessa Gary, tout de suite après journaliste défilé puis à la radio Le Bon côté des Feyan, tap travail. Plus d'états nan micro correspondant nous nan SID Richmond Joseph ou Ailen TV. Parce que la République de Bordeaux-Prince dirigée par 11 000, parce que 11 000, c'est eux qui sont gérants, c'est eux qui sont Capital Bank, c'est eux qui sont Limit Bank, c'est eux qui gagnent. Toutes les banques qui gagnent dans le pays, c'est pour eux, pour les lignes haïtiennes, c'est pour les gars qui ont fait ça, c'est pour les gens qui ont fait ça, c'est pour les gens qui ont fait ça, c'est pour les gens qui ont fait ça. Dans l'interview li bay la presse, Jean-Pierre Chantal, avocat et puis mandataire pour plusieurs familles dans ville Saint-Marc, dénoncé un groupe moun d'appel li qui fait connait li gen groupe gang kap terrorisé moun nan zone Blocos dans ville Saint-Marc. Citoyen qui alerté autorité yo pour faire connait c'est dans business lié li pa nan danse collé ak bandi. En suite déclaration Jean-Pierre Chantal nan micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel Daniel pour Ailen TV. Yo di mwen ngè group nèg mete mloue kay mete yo et me di c'est affecté et pas affecté vraiment réglé. Alors qui démarche ou même ou fait pour et en quelque sorte pour freiner bah ça. Eh bien démarche que moi entreprendre d'avance. Moi connais c'est nous même des journalistes qui c'est quatrième pouvoir et passer par nous même parce que gien l'elle fait comme ça c'est première chose à faire c'est contacter des journalistes c'est pour mettre c'est pour mettre la population Saint-Marcoise là en branle et pour de ça qui prend le fait qui est pour arriver qui va arriver on va sur l'air arriver c'est pas moment ça pour m'a dit que m'attendre ça t'a parlé on prend d'avance et puis c'est pour me faire mettre tout pour nous tout pour cap prendre radio en connaissance de ça qui est pour faire c'est pour négocier satisfaire client yo bon on pensait autorité judiciaire. Et c'est tout le monde qui s'est marre. Il y a un pile de bagages pour monsieur ta fait. Ça pour ta fait, c'est pas lui qui a fait. Je ne pense pas que c'est moi-même, Jean-Pierre Chantal, qui se mandate héritier Lefebvre. C'est ça fait terre. C'est dans l'équipement civil. On dans l'équipement civil, c'est toutefois adversaire a senti droit lésé. La prochaine tribunal. Oui, la prochaine tribunal, et pas chez moi, ça pour ne pas passer à bam vieille charge, bam charge en tant que gang, bam de l'écran, bam gangster. Nous sommes businessmen, et monsieur héritier. Marc Lefebvre et va prêter dossier m'a prêté citoyen Saint-Marc même connait depuis on a fait terre son bagaille on pour en pile adversaire l'a regarder lui elle pas ca combattre tout l'a créé toute branche et s'il qui gagne coéquipier lui monde qui satisfait lui contacter moi même m'ta faire tout ça que m'pas faire parce que m'pas gagne monde mais négocier gagne monde gagne moyen et puis yo ca financer quelque autorité dans ville là faute somme.
Depuis qu'on a tombé là, c'est tout pour nous laver. T'as depuis tombé là, on est. C'est terre pour fouiller, il y a pris oui. Sous pas cacher, on met quoi, on tout bien, on l'endeuille, on cache quoi. Il y a pour parce qu'on va remplir la mine, yo. C'est à partir de ça que fait, on est immobilier. On prend d'avance, mettez population aussi, ma croise là. En branle, en colère, c'est de ça qui vient pour faire. Sous prétexte que dossier qui passe blocos là, c'est moi-même Chantal qui mette les blocos. Moi, comment passe blocos? Et me dit nous ça déjà. Par contre, ciblé en petit ni en petit. Par contre, ça qui est qui l'est, qui date, ça qui passe blocos. Même en colère, c'est de ça qui passe blocos. C'est go, on action comme ça. Côté la police, fait intervention. Eh bien, messieurs, il y a prôné en tapis noir. Vu que vous connaissez une action, vous allez faire. Par le gouvernement qui a passé, vous rencontrez. Eh bien, vous préparez, qui charge, vous allez mettre sous dôme. Si. Bien rencontre là, si c'est la journée où je suis arrêté, c'est arrestation. Mais si c'est le soir, on tient ou bien autorité dit, il débarque un champ là la caillou. Il est 2h du matin là la caillou. Et pas arrestation, non lié. Si nous voulons, il y a une condition pour déterminer. Et puis il tient ou. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi, mais avant nous aller, je voulais rappeler tout le point. Il y a ensemble association syndicale qui est dans le secteur éducatif là, Tankou, GIEL, CNEH, REEH, FENATEC, LINEH, CONEC, avec divers autres dans la tête collée, avec plusieurs associations parents-élèves. Ma défaut que l'école l'a ouvert, pressé, dans bonnes conditions. Dans ce sens, LINEH a demandé un minimum de volonté politique pour que les retourner à l'école comme ça. Association nationale média haïtien ANMH dans une note dit les scandalisés face à la violence à agent PNHU défait comme journaliste dans le commissariat Delma 33 dimanche 30 octobre passé. Et puis mandé pour inspection générale, la police l'a ouvert une enquête pour joindre assassin ou Nelson Vilsin à Kabouro qui a agressé journaliste qui est victime en bas coup de bâton et puis qui sorti blessé dans le cadre d'incident. Une initiative en solidarité journaliste site SJS Yomès en mémoire chanté à mercredi 2 novembre dans mémoire ancien animateur émission politique Grand Lacour Tess Gary. Tout de suite après, journaliste défilé pour aller radio Le Bon côté défiant. Tap travail. Premier à 4 novembre, dans le pays d'Haïti, c'est le jour qui est réservé pour fête la Toussaint à Kagédé. Citoyens qui ont été rendus dans le cimetière au Cap-La, Port-au-Prince, au Caï, à divers autres villes dans le pays d'Haïti. Pas de cacher contentement yo gagné pour des grands choux sa yo pendant yo fait connaître yo te profiter mandé baron pour aller visiter PM Ariel Henry et puis faire le payer tout mal la fait pays à connait. C'est ensemble qu'on sa yo ak anpil lot ki te développé fete branché télévision TV pour espogramason. Bye bye tout le monde.